Il enflamme le public des plus prestigieux stades au monde. Il illumine les spectateurs des top shows. Il fait du ballon ce qu'il veut. Il jongle avec une maîtrise hallucinante. Il s'appelle Iya Traoré. Voici l'histoire d'un des meilleurs freestylers au monde. C'est à Kébéa, un village entre Dabola et Kankan en Guinée, en Afrique de l'Ouest, que tout a commencé il y a 24 ans. Comme tous les jeunes de son village, le petit Iya s'initie au football, l'unique loisir avec ses camarades du village. Ndinka Iya Traoré, depuis Adomani, à 3 ans, il foot qui est là. Et voilà, il y a une école là, il y a une école là, il y a une école là. Donc, le ballon est trop. C'était le seul sport qu'on connaissait au village. Il y a ballon traité l'air là. Il y a un ballon ça, il y a un ballon qui a dit ce qu'il y a, quand il y a un ballon, il y a un ballon. Le plus important pour nous, c'était de communiquer, de partager. On avait les mêmes passions, c'était excellent. Il commence dans la rue en tant que gardien de but et hérite du surnom de Sabala, un ancien grand gardien bien connu en Guinée. Il y avait un ami qui, lui, il était très fort dans le football à l'époque là, et qui, quand il marquait, tout le monde était avec lui, même si on lui donnait des travaux au champ et tout le monde allait l'aider pour qu'il finisse plus tôt. Comme ça, il revient, on puisse jouer avec lui. Et puis moi, je me suis dit, si j'arrivais à arrêter tous ces buts-là, après, ce sera un peu moins la star. Donc, s'imagine, j'ai envie de qu'on me cueille une mangue ou si j'avais des petits travaux à faire au champ et qu'on viendra m'aider aussi, moi. Et comme ça, je finis plus tôt et je pourrais venir jouer, gardien, gauler pour eux. Le petit Iya prend plaisir à jouer et commence très tôt à rêver d'être un jour professionnel pour aider sa famille. Et puis, je voyais que les grandes stars, ils s'en sortaient avec ce sport-là, ils gagnaient de l'argent. Et j'avais envie aussi de gagner cette somme-là, parce que ma famille, ce n'était pas une famille très riche. Et j'avais envie d'aider ma mère, mon père, et puis aussi moi aussi, de m'en sortir pour que je devienne quelqu'un. Et puis en retour, pourquoi pas aider les autres jeunes qui sont en difficulté, parce que c'est très important ce qu'on gagne aujourd'hui pour pouvoir partager avec d'autres personnes. À 10 ans, son père, qui vit en France, ne veut pas entendre parler de foot et décide de l'envoyer à Conakry. Au départ, moi, mes parents, ils n'ont jamais voulu au départ que je joue au football parce qu'ils trouvaient ça vraiment très nul. Et puis, ils avaient peur pour moi que je me blesse et ils voulaient absolument que je fasse les études. Donc, quand mon père il a vu que je travaillais bien à l'école, il m'a envoyé dans la capitale. Dans son quartier à Conakry, avec plusieurs amis, ils forment une petite équipe pour jouer dans la rue. Ma première fois de voir un vrai ballon de cuir, c'était dans la capitale. Et le fait de le toucher, c'était excellent, parce que je le voyais que dans les journaux, où on feuilletait dans les magazines, mais on ne les avait jamais vus à l'époque. Et puis je voyais que beaucoup de jeunes, ils étaient dans le football. J'ai dit waouh, j'étais impressionné quoi, tout le monde joue au football. Il y avait plein de terrains et il y avait des quartiers différents, il y avait interquartiers, tu sais, je trouvais ça excellent. J'allais chez des amis qui avaient des télés où je pouvais regarder les vidéos de Maradona, tout ça. Et je voyais jongler, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à jongler un peu. Quand je faisais le football à côté, j'ai commencé à faire un peu de jonglage, mais classique. Il intègre par la suite l'équipe d'Ibrahim Football Club et joue plusieurs matchs. Impressionné par ses dribbles et sa maîtrise du ballon, le coach lui donne naturellement une place de titulaire en attaque. Quand je voyais que mon équipe ne marquait pas, et je prenais le risque et puis ça m'arrivait de sortir de goal et dribbler beaucoup de gens et aller marquer. Ça m'arrivait des coups de chance que je marquais 2 buts, 3 buts. Et puis, au final, ils ont compris que je pouvais être attaquant. Et donc, j'étais très content parce que je ne m'attendais pas à intégrer un vrai club où je pouvais porter des maillots. Et c'était excellent, quoi. J'ai dit, enfin, je vais pouvoir donner le meilleur de moi et montrer ce que je suis capable de faire avec un ballon. En 1998, son père est de passage en Guinée. Il discute avec les vieux sages du quartier qui lui conseillent de l'envoyer en Europe.
père, il a dit qu'au fait, moi, même si j'envoie mon fils en France, c'est pas pour le football, ça serait pour les études. Parce que j'aimerais qu'il ait un diplôme et si jamais il se blesse au football. Et donc mon père, il était très très strict dans ce truc-là, il rigolait pas. Les études, c'était très important pour lui, puis je le comprenais parce que lui, il avait voyagé, il a fait beaucoup de voyages, c'est un commerçant. Et il savait très bien ce qu'il me disait et voilà, et c'est sûr que si je me blessais, je restais sans rien plus tard. Pour se convaincre, son père décide d'aller voir un de ses matchs. Et ce jour-là, l'équipe d'IA joue la finale d'une compétition de quartier. Galvanisé par cette visite inopinée, IA marque le but d'égalisation et emmène son équipe vers la session de tir au but. Il y marque le tir victorieux et la dédicace à son père. Bonne chance, bonne chance. En novembre 2000, Ia quitte alors son pays pour la première fois de sa vie pour rejoindre son père et sa mère en France. Ce qui m'a plus marqué, c'était le froid. J'ai jamais connu ça parce qu'il faut pas oublier, j'étais arrivé en novembre de 2000 et à cette époque-là, il faisait super froid. J'avais l'impression qu'on m'a mis dans un frigo. C'était trop marrant, mais j'ai quand même dit, écoute, si tu as envie d'aller plus en avant, il faut savoir faire le changement. Il faut accepter toutes ces conditions-là. C'est dans ce froid hivernal que l'aventure commence pour le jeune Guinéen. Il intègre plusieurs clubs parisiens, le S Paris, Paris Football Club, puis au Paris Saint-Germain des Haches, tout en continuant ses études et en aidant son père, commerçant d'art africain. Il pouvait me contrôler à tout moment si j'allais à l'école ou si je faisais mes devoirs, tout ça. Donc mon désir le satisfaire, donc j'ai accepté de jouer dans ce club-là et puis en même temps... travaillait bien à l'école. Et c'est pendant ce passage dans le club de la capitale française que le jeune Ia côtoie le Brésilien Ronaldinho. Pour son père, le foot c'est bien, mais à l'école, c'est ce qu'il y a de plus important. Il lui conseille de laisser le foot pour se concentrer sur ses examens de fin d'études. Quand il y avait le football et l'école, l'école était en priorité. Je devrais d'abord faire mes devoirs. Et parfois, ça me prenait beaucoup de temps. Et c'était à l'époque que je suis rentré au PSG que je devrais passer mon premier examen, c'est-à-dire mon premier diplôme en France. Et c'était le moment de montrer à mon père que je respectais ce qu'il m'avait dit. Et comme je ne venais pas trop à l'entraînement, l'entraîneur, il trouvait que peut-être que je prenais la grosse tête vu que j'étais titulaire. Au final, il m'a mis sur le banc. Peut-être que ça pouvait me réveiller un peu ou me donner un peu de nanak pour venir. Et ainsi de suite, ça continuait parce que... Et après, il m'a carrément pas sélectionné de temps en temps. Sur certains matchs, il me mettait, sur d'autres matchs, il me mettait pas. Et même quand j'étais performant, je marquais des buts. Et lui, il voulait plus ma présence à l'entraînement par rapport aux autres joueurs. Et ça veut dire, moi, si je venais pas deux fois à l'entraînement, trois fois, et que j'étais sélectionné au match, ils trouvaient ça leur démotivait aussi. Et ils se donnaient à fond, même si j'étais mieux qu'eux, c'était difficile, quoi. Le PSG décide de ne pas continuer avec lui. C'est la fin d'un rêve. Mais quand même, j'ai eu mon diplôme. Mes parents, ils étaient fiers de moi. Et en récompense, ils m'ont acheté un ballon. Malgré son brevet en poche, pour combler sa déception de ne pas jouer pour le club parisien, il s'adonne au freestyle, un style libre où l'on fait ce que l'on veut avec le ballon, avec toutes les parties de son corps, quand on veut et où on veut. Il s'entraîne dans la rue, dans les métros et continue parallèlement à jouer au foot. De
devant des spectateurs ébahis, l'enfant de Kébéya construit son nouveau rêve, celui de devenir le meilleur freestyler au monde. C'est un excellent freestyler, il fait des choses vraiment incroyables. C'est un petit ballon. C'était super. Super. Mais il est puissant quand même. Oui, il est trop fort. Il s'exerce dans les lieux touristiques, Trocadéro, Champs-Élysées, Châtelet, Montmartre. Pump that work, I'm slipping thin. Hoes, yeah, I get them real, man, just like a fisherman. Hating on your boy, man, I hate them jokers whispering. Put a lot of work out, I'm waiting on my dividend. Riding up the turnpike, Hollywood a fine friend. I can show you how to make a killing off a timepiece. I hustle, I've been through the struggle, it's time that I bubble. I'm making that paper, no guarantee that they gon' love ya. I swerve, I kick it, got nerve. They hate it, I burn that pithy. You want me, come and get me. You want a 16, I ain't talking under 50. That brown paper bag, yeah, I got my money with me. Là, je me suis dit, même si je ne suis pas, j'ai pas pu encore arriver à être un footballeur professionnel, mais le fait de partager ma passion en dehors du terrain avec d'autres personnes, c'était pour moi déjà un rêve qui s'est réalisé. Ia ne quitte plus son ballon. Ses prouesses intéressent les grandes marques. Il passe de la rue au plateau de télévision et ses top shows. Footballeur, jongleur, Ia. Merci de faire un triomphe à Ia. Non, non, mesdames, messieurs. En 2004, sur France 3, pendant l'émission L'été de tous les records des Guinness World Records à Perpignan, il coince le ballon entre le tibia et le plat du pied et fait tourner sa jambe 63 fois en une minute. Le record est enregistré avec pour nom de figure le soleil inspiré de la capoeira. Fan du hip-hop et bon danseur, il s'inspire des prestations d'Usher pour inventer la figure Y. En 2006, Traoré participe à de nombreuses manifestations promotionnelles à Hong Kong, au Koweït, en Suisse, au Maroc et réalise une prestation pendant la finale de la Ligue des Champions. Il parcourt la planète et se produit devant les plus grands. Ministre des sports chinois, Platini, Beckenbauer, Zidane, les émirs du Qatar et plus fort, devant Jacques Chirac. Quand j'ai reçu la lettre dans ma boîte mail en disant que le président m'invite pour jongler à l'Élysée, ben je croyais que c'était une blague parce que c'était pas pour moi, c'était pas possible. Donc au final, ils ont insisté, ils m'ont renvoyé encore un mail pour dire que oui et puis ils m'ont appelé pour dire que oui, le président souhaitait que voilà, je participe à l'Élysée, l'Arbre de Noël pour faire un jonglage. Moi j'ai dit ben, au départ, si j'imagine je peux casser quelque chose, ça coûte des millions et je n'arriverai jamais à rembourser ça. Donc, et puis quand ils ont insisté, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux et que
Le président me faisait vraiment confiance de jouer avec mon ballon dans l'Élysée. J'ai accepté la proposition, je suis arrivé, on a fait les répétitions. Bah, la femme du président était là ce jour-là, Madame Bernadette Chirac. Elle a regardé ce que je faisais, elle a trouvé ça excellent. Et puis le lendemain, j'ai rencontré le président où j'ai fait tous les shows, tout ça. Et à la fin, le président s'est levé, il est venu me serrer la main. Il m'a parlé, il m'a demandé je viens de quel pays. Et puis on a discuté pendant longtemps. Moi, en fait, je voulais demander une photo avec lui, mais lui, il a demandé une photo avec moi. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'un président de la République française me demandait de prendre une photo avec moi. Et en me disant, Monsieur Traoré, Monsieur Iya Traoré, vous êtes trop fort, j'ai beaucoup regardé. J'adore le football. J'ai beaucoup regardé beaucoup de gens qui jouaient le ballon, mais ta façon de manipuler le ballon est extraordinaire. Et il m'a serré très fort, hein, vraiment. Et j'étais très, très touché et très, très fier. En 2010, il enflamme le public lors de l'épisode 5 de l'émission « La France a un incroyable talent » sur la chaîne M6. Je suis de la Guinée-Conakry. Je fais du football freestyle et des jonglages avec le ballon. Extrêmement positif. C'était très complet et j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'ai été touché comme le public ici par votre humilité, votre simplicité, votre sincérité. Vous avez une consistance. Il n'y a pas de faute. C'est maîtrisé jusqu'au bout. Alors ça, je vous lève mon chapeau. C'est une très bonne surprise et vous méritez d'être avec nous. Merci beaucoup. Je ne dois pas pleurer, je dois être content, je sais, mais c'est trop fort pour moi. Deuxième lors de la finale et passe à côté des 100 000 euros promis au vainqueur. En 2011, il établit à Milan un record en montée d'escalier. Record qu'il bat 4 mois après. Lors des Guinness World Records à Pékin, en Chine. En plus des nombreux shows télévisés, il participe à des séances photos pour le compte des grandes marques. Le Guinéen jongle avec beaucoup d'humour et n'hésite pas à aller au-devant du public. Aujourd'hui, bien qu'il soit reconnu et invité à travers le monde pour des prestations de freestyle, l'enfant de Kébéya n'en oublie pas d'où il vient. En 2006, il crée à Conakry un club de football qui évolue en 3e division pour venir en aide aux jeunes Guinéens. Et moi, j'ai eu de la chance de quitter en Afrique sans rien et en allant évoluer en Europe. Et avec pas mal de parcours, j'ai eu des moments durs et des moments faciles. J'ai eu pas mal de choses. Donc j'avais envie de les partager ça, pas seulement de venir leur donner un maillot
ou leur offrir des ballons ou un peu de l'argent ou leur montrer je suis dans ma belle voiture que j'ai réussi. Mais le fait de venir communiquer avec eux, rester avec eux, partager, parler, discuter. Quand tu vois qu'un joueur qui est démarqué, n'attendez pas. N'essayez pas de faire 3, 4, 5 tours de couche de balle. Ça ne sert à rien, ok? Et pour moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que j'ai créé ce club-là. C'était un moyen de, qu'on puisse échanger et on puisse avancer ensemble. Son club ouvre ses portes aux enfants de la rue, aux orphelins de la guerre du Libéria et à tous les passionnés du football qui n'ont pas les moyens ou les structures pour vivre leur passion. Ce que l'IA fait, c'est dépassant. C'est dépassant pour la jeunesse de Yimbaya, c'est dépassant pour la jeunesse de Guinée, mais surtout notre localité, et là nous sommes fiers de lui. Et de tout ce que, depuis qu'il a commencé à former ses enfants, il a toujours équipé avec toute sa force. Mon club n'accueille pas seulement que des Guinéens, mais aussi des jeunes du monde entier, et de l'Afrique aussi. Donc il y a des Sénégalais, il y a des Libériens, il y a des Sierra Leoneens, il y a tout le monde qui vient là, intégrer ce club-là. Donc il y en a qui, où il y a eu la guerre au Sierra Leone, en Libéria, qui n'ont pas de famille. Et que voilà, que j'essaie de les soutenir. Et puis aussi, ces jeunes-là, je veux surtout, seulement pas le football, mais qu'ils ont, après le football, j'essaie de préparer leur avenir après le football, qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail, qu'ils puissent s'en sortir. Et c'est dans l'avenir, c'est eux l'avenir de demain, enfin de l'Afrique. Encourager des enfants à suivre leurs rêves n'est pas une utopie. Moi, je suis dans le sommeil, comme ça, nous faisons un bon travail, nous gardons la main. Voilà, quand on a un gardé pour nous. Depuis que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes gardés là. Il fait la fierté d'une nation et de sa mère, une femme comblée. Le freestyle, un excellent sport et simple à pratiquer, même si ça demande beaucoup de temps, du travail et de la créativité. Dès qu'il peut, IA prend plaisir à initier les jeunes aux techniques de jonglage. Ses admirateurs n'ont pas fini d'en baver. Le Guinéen travaille de nouvelles figures, repousse ses limites pour notre plus grand plaisir.
Quand il est à Paris, il s'entraîne au pied du Sacré-Cœur. Jongle sous le regard des anges et des touristes. Son seul vœu, devenir un jour joueur de football professionnel. Bring it back.